وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. On ne peut pas comprendre l'islam mieux que l'ont compris les trois premiers siècles, qui ont reçu l'éloge d'Allah Ta'ala dans le Coran et l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths authentiques. Donc, si toi tu viens, tu dis, il y a des gens aujourd'hui qui comprennent mieux l'islam que ces gens-là, en gros, tu es en train de dire le contraire de ce qu'Allah Ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs gens sont mon siècle, plus ceux qui le suivent, plus ceux qui le suivent. Toi, tu dis, non, il y a des meilleurs gens, les meilleures compréhensions sont après. Non, tout le bien, il est dans le suivi de ceux qui nous ont précédés. Et tout le mal, il est dans le suivi de ceux qui l'auront succédé. À l'époque des pieux prédécesseurs, il n'y avait pas de division, très peu. C'est pour ça qu'on les appelait Ahl Sunnah wal Jama'a. D'ailleurs, à la base, Allah Ta'ala nous a nommés Al-Muslimin. Pourquoi à une époque les savants ont commencé à nommer les gens Ahl Sunna wal Jama'a, Ahl al-Athar, Ahl al-Hadith, les Salafis, les... Pourquoi ces noms? On va dire, on n'a pas besoin de ça, on est musulmans. Non, ils l'ont fait parce qu'il y a un besoin. Quand tous les musulmans étaient sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu disais je suis musulman, on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Aujourd'hui tu dis je suis musulman, la personne va dire musulman alaouite, musulman chiite, musulman soufi, musulman ash'ari, musulman mu'tazili, musulman quoi? Tu veux dire non, musulman de la sunna. Taïb, musulman de la sunna. Qui accepte l'adoration des tombes ou non? Parce qu'il y a des gens, ils se disent, ah, le sunna wal jama'a, ils acceptent l'adoration des tombes. Musulman de la sunna qui accepte qu'on demande l'aide aux morts ou non? Musulman de la sunna qui interprète les noms d'Allah ou il les interprète pas? Aujourd'hui, le sunna wal jama'a, les soufis se disent Ahl Sunnah wal Jama'a, les adorateurs des tombes se disent Ahl Sunnah wal Jama'a, les Ahbash se disent Ahl Sunnah wal Jama'a, les Ash'arites se disent Ahl Sunnah wal Jama'a, les Mu'tazilites se disent Ahl Sunnah wal Jama'a. Tout ça, ils sont sur des croyances et des pratiques contradictoires à la Sunna. Donc aujourd'hui, ce nom, il ne veut plus rien dire. Musulman quoi? Non, moi je suis un musulman de la Sunna, donc je ne suis pas un chiite, qui ne croit pas dans les fables et qui n'adore pas les tombes et qui suit la voie des salafs. En résumé, t'es un salafi. Donc, au lieu de faire une description de 10 pages, le résumé de ce mot, c'est le mot salafi. Je suis les pieux prédécesseurs. C'est pas une éloge que tu te fais à toi-même. C'est juste une explication de la voie que t'as choisie pour toi. La voie des compagnons. La voie sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé sa communauté. Donc, cette appellation, elle est légiférée. Et ce n'est pas une appellation qui appelle à la division. Mais au contraire, c'est une appellation qui appelle à l'union autour de la sunna. D'ailleurs, le nom qu'avant portaient les salafistes, c'était Ahl Sunna wal Jama'a. Les gens de la sunna wal Jama'a et de la communauté, du groupe. Car le groupe, il peut se former qu'autour de la sunna. Ils ne les ont pas appelés juste les gens du groupe. Les gens de la sunna et du groupe. Car le groupe et l'union en tant que telle, elle ne peut se faire qu'autour de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que c'est celui qui appelle à la voie des pieux prédécesseurs et qui se détermine suivre cette voie et qui met en garde contre les voies dissidentes, est-ce que c'est lui qui a divisé la communauté ou bien celui qui a choisi pour lui et qui a agréé pour lui une autre voie que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et une autre pratique que ce qu'Allah a légiféré et d'autres croyances et d'autres pratiques que ce que l'islam lui a demandé? Qui d'entre les deux divise la communauté? Sans aucun doute, celui qui a fait dissension d'avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a fait dissension d'avec le groupe des croyants, le groupe des gens de la sunna. Donc dire que utiliser le terme salafi divise la communauté, c'est un mensonge. Ce terme est là pour expliquer la voie qui est obligatoire pour tout musulman à suivre normalement, la voie des sahaba. Et ce n'est pas du sectarisme. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala, comment il a appelé ce Coran? Al-Furqan, le discernement, celui qui divise. N'est-ce pas? Dans le hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ana farqun bayna an-nas ». Je suis venu diviser et dissocier et discerner entre les gens. Et Omar, il s'appelait « Al-Farouq ». Celui qui avait le discernement, qui discernait entre le vrai et le faux. Donc si c'est dans ce sens-là, dans le sens de discerner entre le vrai et le faux, et de diviser entre ce qui est vrai et juste, oui. Les salafis divisent dans ce sens-là, comme le Coran a divisé, et comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a divisé. Mais pas la division qui est réprouvée en islam. C'est discerner entre le vrai et le faux. Mais pas la division pour des passions, pas la division pour des partis politiques, pas la division pour des biens éphémères de ce bas monde. Pas moi, tu as mon parti, moi je suis mon parti, toi t'es ton parti, moi ma secte, toi ta secte. Chacun prétend avoir la vérité et sont heureux de leur... Non. Et dire
que les salafis sont une secte parmi les sectes, c'est une injustice. C'est comme si on disait, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une secte parmi les autres sectes. Non, la salafia, c'est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sectes, c'est ceux qui ont délaissé cette voix, qui ne sont pas sur la compréhension des sahaba, radiallahu anhum, qui ne veulent pas revenir, ou qui te disent clairement, je ne reviens pas à la compréhension des sahaba. Clairement, ils te le disent. Non, moi, je veux une compréhension moderne, je veux une compréhension contemporaine du Coran. Quelle déclaration plus claire que celle-ci. C'est une déclaration de lui-même qu'il est égaré. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est lui, il le dit de lui-même. Je ne suis pas la voix des sahaba. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une personne comme ça? Il va falloir que j'aille m'unir avec lui dans ce faux aussi. Moi aussi, je ne suis pas la voix des sahaba. Moi aussi, j'accepte que tu ne suis pas la voix des sahaba. C'est pas grave, viens, t'es quelqu'un de bien. Non, akhi. Allah et son messager l'ont jugé comme un égaré. C'est pas à moi de choisir un autre jugement pour lui. Je suis un serviteur. Allah, il dit blanc, je dis blanc. Il dit noir, je dis noir. Droite, gauche, je sais pas, moi, c'est pas mon avis. Je suis un serviteur, moi. J'ai pas le choix dans la vie. J'obéis à Allah. Je suis sa voix. Il me dit assis, assis. Il m'a appelé au hajj. Je suis venu. Labbaik, Allahumma labbaik. Voilà. Je suis un serviteur. Un esclave, tu dis viens ici, viens. Mets-toi debout, debout. Assis, assis. Va chercher, va chercher. Un esclave. On est des esclaves d'Allah. Quand on aura compris ça, alhamdoulilah. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا